Jouer contre une équipe qui a réalisé deux défaites consécutives n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, nous regardons en face de nous un adversaire sans pour autant tenir compte de ses résultats précédents. Sinon, nous, on prend notre adversaire avec tous les sérieux possibles, dans ce sens que à chaque fois que nous jouons contre Panda, ça n'a toujours pas été un match plus facile à jouer. Nous les négocions toujours avec beaucoup de difficultés, quand bien même qu'on arrive en fin de compte à les battre. Mais ça a toujours été des matchs très très disputés. L'équipe est sereine. Nous savons que nous avons un match difficile de jouer le Popo, une équipe qui se prépare pour les interclubs de la CAF. Donc ces joueurs se donnent à fond, se donnent à 100% pour qu'ils soient retenus. Une équipe en pôle qui a presque tout son effectif, le même staff technique, le même joueur de la saison passée. On est serein, on s'est préparé. On a une équipe, on a un groupe. On est confiant avec les groupes que nous avons, avec l'effectif que nous avons. On est confiant par rapport au travail fait durant toute la pré-saison. On a eu à travailler, à préparer des choses, à préparer le plan de jeu. On a une organisation de jeu, on a une structure, donc on s'est fié à cela. L'IS Panda a un public très exigeant. Nous ferons de notre mieux qu'on soit à la hauteur de la compétition et du match du jour. Vous savez, être battu devant sa femme, ses enfants, ses frères, ça n'honore pas. Nous ferons de notre mieux que demain, le fanatique soit soulagé par l'enjeu et le jeu aussi. Un match de football reste une fête et le fair play doit primer à tout prix. Le jeu doit dominer sur l'enjeu. Le match de demain, c'est une finale pour nous. C'est une finale. Nous sommes obligés de faire les résultats, sinon ça sera catastrophique. Ça sera 0 points sur 9. C'est un match très difficile, parce que le Popo est en confiance. Après deux victoires, le Popo se prépare pour les intercœurs. Et les joueurs, ce sont des matchs pareils qui cherchent à avoir la confiance du staff technique pour qu'ils puissent jouer ces intercœurs-là, qui leur servira de vitrine pour qu'ils soient ailleurs. Et il y a aussi un public qui est derrière nous, sans oublier ces fanatiques qui ont toujours poussé notre équipe vers la victoire, qui nous tirent toujours vers les hauts comme l'autre fois. Donc ce sont là les atouts qu'il faudrait mettre en place pour que nous puissions faire le résultat escompté. Le match pour Panda, ça a toujours été un match difficile. Et même demain, ça serait un match difficile. Et pour nous et pour eux. Nous sommes là tous pour chercher les 3 points. Les supporters doivent être calmes, chacun des deux camps, pousser leur équipe vers les hauts et accepter les résultats finaux.